Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur le circuit de Brands Hatch Grand Prix pour une petite course avec une toute nouvelle voiture. C'est parti pour 10 minutes d'épreuve avec la Mini Cooper S Vintage qui débarque dans Air Factor 2. Allez, on va tester ce nouveau contenu qui a été drop par Motorsport Games un petit peu plus tôt que prévu. Alors, on va déjà découvrir un peu à quoi ressemble la conduite de cette voiture qui n'était pas forcément attendue. Elle fait partie des bonnes surprises et surtout, elle a l'air d'être plutôt appréciée par la communauté, ce qui m'a un peu poussé à moi aussi vous donner un petit retour sur ce que vaut cette Mini Cooper. Alors, sur le papier, c'est une voiture qui ne paraît pas très bandante, pour parler clairement, mais quand on commence à l'avoir en main, c'est un enchaînement de mots assez bizarre d'ailleurs comme champ lexical, mais bref, vous avez compris. Ouah, reviens. Une fois qu'on commence à avoir la voiture à disposition, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, cette voiture, donc 125 chevaux, développée par ce petit moteur 4 cylindres, avec comme adaptation pour la course, un arceau de sécurité, un siège baquet moderne et des suspensions de compétition. Pour le reste, la caisse est exactement celle d'il y a 60 ans. Les années 60 ont vu la naissance de cette Mini et la popularisation aussi outre-manche de cette petite bestiole face au Fiat 500. Et au Seat 600 du côté ibérique de l'Europe. Et c'est vrai que cette voiture a conquis pas mal de générations, au point même d'en faire une voiture championne de BTCC et vainqueur du rallye de Monte Carlo. Alors je sais que j'ai autour de moi pas mal de fans de cette voiture et forcé de constater que la voir débarquer sur Air Factor 2 n'était pas prévue, mais on va s'en satisfaire. C'est une voiture qui est donc très intéressante. De ce que je constate, en tout cas, elle n'est pas si simple que ça puisque tout passe par le train avant. Une petite boîte à 4 rapports qui honnêtement ne fait pas forcément bien le café parce qu'on a des relances qui sont très poussives et on est souvent en sous-régime, donc il faut bien calculer le rythme de sa course et surtout sa trajectoire pour ne pas se faire piéger, parce qu'une fois que la voiture dérive du train arrière, eh bien c'est terminé, impossible d'aller récupérer cette petite bombe qui vous échappera sans coup férir. Alors attention aussi, c'est un contenu qui n'est pas gratuit, cette voiture coûte 4,99€, c'est le prix pour une voiture sur Air Factor 2 de manière récente. On a appris un petit peu à s'adapter au budget que propose Air Factor 2 pour certains modèles, et c'est vrai que les voitures du BTCC qui sont pour l'instant le porte-étendard d'Air Factor 2, eh bien sont également proposées à ce prix-là. Alors d'Android, ils ont essayé de passer un petit peu au forceps. Une vingtaine de livrées sont proposées dans ce kit, avec des livrées inspirées de certains pays avec des drapeaux sur le toit. Mais vous pouvez toujours bien évidemment importer vos couleurs personnelles sur cette Mini qui ferait parfaitement le café aux couleurs de Lee Brooks, en tout cas aux couleurs de son championnat BTCC. Elle a été championne en noir et rouge à l'époque. Avec Lee Brooks, c'était une autre époque, bien sûr. Au niveau du BTCC, elle se battait contre notamment les Lotus Cortina, les Ford Mustang et les Ford Anglia. Voiture qu'on avait à disposition in-game dans un certain Ray 07, en tout cas Grand Prix Légende. Rappelez-vous ce jeu sorti par Sin Bean il y a 15 ans maintenant, où on n'avait que des voitures historiques de folie, Mustang, Cortina justement, il y avait des Alpines, et il y avait aussi cette petite Anglaise qui s'est ma foi fort bien défendue dans sa carrière entre les victoires à Monaco et à Monte Carlo pardon, et en BTCC. C'est une voiture qui a gagné quasiment tout ce à quoi elle a participé, et aujourd'hui, si on la voit aussi populaire lors des festivals de Goodwood et de ce genre de course historique un petit peu partout à travers l'Europe, c'est justement parce que c'est une voiture emblématique. Alors, dans la vie, dans le peloton, pour l'instant, c'est sympa, effectivement. C'est un petit peu compliqué à gérer. Je vous avoue qu'en parlant, même si la voiture ne fait pas 200 à l'heure et qu'on ne dépasse pas les 150, ça devient un petit peu compliqué. Alors que là, nos essuie-glaces se sont activés parce qu'il commence à pleuvoir. Ah, ben voilà, ça s'est fait aussi. On va voir un petit peu comment cette voiture se comporte dans des conditions peut-être un peu plus humides. Bienvenue sur Air Factor 2. Visiblement l'un des meilleurs simulateurs en termes de gestion de course de pluie. Alors on est sur des pneus route ici avec une sculpture, donc on devrait pas trop galérer. Et dans Paddock Hill, une fois qu'on a lancé la voiture, eh bien elle répond vraiment bien. Je trouve que c'est pas mal. Maintenant voilà, le train avant est ce qu'il est. Et je suis pas toujours confiant dans cette voiture, même si voilà, cette réédition, cette version vintage est très sympa. Je trouve que pour 5 balles, c'est une expérience de physique qu'on n'a pas tout le temps, qu'on a perdu un petit peu dans les contenus modernes et qu'on n'a pas sur d'autres plateformes comme Assetto Corsa, où le modding s'arrête un petit peu en ce moment. Je trouve qu'il y a pas mal de vagues qui ont été faites sur d'autres jeux, et ici Air Factor 2 commence à avoir pas mal d'atouts. Et c'est vrai que l'étoffe du BTCC produit par Motorsport Games, c'est peut-être l'arrivée petit à petit de toutes ces voitures modernes du championnat d'Angleterre.
Et bah pourquoi pas mettre des voitures un peu plus classiques. Et en parallèle de la sortie de cette Mini, on retrouve également la Caterham, la Lotus 7 si vous préférez, hein, qui, voilà, je vais dire ça, je vais me faire taper sur les doigts moi, qui débarque également dans le but d'une Académie Caterham, qui sera une petite compétition sur Air Factor 2. Et justement, cette Mini va parfaitement se greffer dans cette volonté de la culture anglaise du sport automobile sur Air Factor 2. Et le BTCC va suivre avec donc désormais 4 voitures disponibles. J'espère peut-être vous le tester dans les heures à venir, les jours à venir. Ça a pris un peu de temps par rapport à la sortie. Je suis désolé, j'ai eu des soucis extra-youtubesques, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai pas pu tourner tout de suite tout ce qui se passait, notamment. Ouais, vous avez eu quasiment 15 jours de vacances également pour la carrière My Team. Et là, c'est vrai que le BTCC avec ses 4 voitures, donc désormais la Ford Focus, la Hyundai i30, la Hyundai Elantra et la Toyota, pardon. Non, l'Elantra n'est pas encore là. La Toyota, Corolla et l'Infiniti, ça fait 4 modèles modernes. Et on se dit qu'avec les modes BTCC annexes non officiels, il y a moyen déjà de faire de belles choses. Et on n'a qu'une hâte, c'est que ce panel de voitures du BTCC s'étoffe au fur et à mesure des semaines et des mois à venir. Et là, on tente l'extérieur dans Paddock Hill sur la numéro 73. Ça ne va pas passer malheureusement. On va essayer à l'intérieur d'Androids. Alors, vraiment au niveau du pilotage, en talon pointe et surtout en séquentiel, on voit que la voiture de l'arrière saute, elle est tellement rigide avec cet arceau que waouh, ça a l'air d'être beaucoup plus simple de la piloter comme ça. Et dans des conditions pluvieuses, ma foi, elle tient fort bien le parquet. Waouh, ça glisse quand même, attention. Ouais, là mon force feedback qui se réveille hein, sur ces quelques virages. On va perdre même la 5e position, je pense. En tout cas, on est pas si bien placé que ça à l'extérieur, toujours face à la numéro 73. Donc franchement, les sensations de cette Mini sont assez originales. J'aime vraiment beaucoup cette petite bagarre qu'on est en train de vivre. Ça bastonne, c'est facile à conduire dans une certaine limite, ça ne pardonne pas l'erreur. Bref, c'est une voiture idéale pour se tirer la bourre entre potes. Et surtout, quand on n'a pas envie de s'embêter avec une ligue sur Air Factor 2, c'est un petit peu plus simple au niveau des serveurs et du multijoueur. Et ce contenu peut avoir son petit succès, ajouté à quelques modes historiques. C'est vrai que la Mini pourrait parfaitement se combiner avec une Alpha GTA, avec une Alpine, avec d'autres modes historiques qui existent à la belle époque du touring car anglais. En tout cas, il y avait de quoi faire pour cette Mini. Au niveau des adversaires, maintenant, faites toujours attention au niveau de la BOP, parce que selon les modes mélangés, c'est difficile d'avoir une balance de performance équivalente, alors que devant, ça part plus que large. Non, franchement, pas remettre en première, ça marche pas. 73 qui est repassé, on va essayer de reprendre un petit peu l'avantage. Les pneus sont chauds. Le pilote aussi. Allez, on va essayer de voir si on peut dive ici. C'est un peu compliqué de créer la différence tant les voitures sont lentes. Mais ça passe. Allez, la 5e position est-elle actée? Pas certain. Hop, on a une petite accalmie au niveau météo. La piste n'est pas vraiment détrempée, je pense. Dans ce dernier segment de l'épreuve, on va essayer quand même d'aller chercher le podium. Hein. On va pas se relâcher quand même pour autant. Allez, on était parti, je crois, aux alentours de la 15e position avec une IA à 95. C'est pas mal. Donc franchement, je vous invite à aller checker la description. Vous y retrouverez le lien vers cette Mini. Et je pense qu'on fera une vidéo quand même sur les futurs contenus. Je sais qu'il y a Spa-Francorchamps, il y a le Nürburgring qui a été mis à jour. Il y a Donington Park et Brands Hatch. C'est pas la version officielle hein, ici de Brands Hatch, c'est un mode. Mais voilà, il commence à y avoir pas mal de contenus intéressants. Air Factor 2 revient un peu sur le devant de la scène avec certains modes, certaines choses qui n'étaient pas forcément intéressées par le sim racing récemment. Je sais pas, Air Factor 2 pour moi était passé un petit peu au second plan malgré ses licences et son contenu. Et à côté de ça, il y a d'autres jeux style Automobilista qui mettaient aussi la sauce. Il y a une grosse mise à jour sur le jeu, on en fera des vidéos, je vous le promets. J'ai pour l'instant pas mal de soucis au niveau du mapping de mon volant. Sur Automobilista 2, c'est un peu compliqué avec les aides embrayage automatique, embrayage manuel, etc. Il y a des fois, il y a des choses qui ne se font pas bien. Attention, il reste une minute dans cette épreuve. On va peut-être avoir droit à un tour supplémentaire et on va attaquer le leader. Et cette voiture qui est très réussie, je crois que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'au niveau de la réalisation 3D, l'intérieur, l'extérieur, les reflets, franchement, ça pue les années 60. Allez, le petit push dans Dingledale. Je suis là, mon ami, ne m'oublie pas. On va essayer de décaler un petit peu. Mais c'est difficile hein, de prendre vraiment son adversaire à revers sur une situation comme celle-ci, dans des conditions comme celle-ci, avec la pluie qui était venue s'inviter pendant un temps. Allez mon gars. Et on va se faire dive. Et on s'est fait dive, oh, violemment même, par le numéro 78. Parce qu'on va garder le podium quand même. Alors que la pluie arrive, il va rester 10 secondes, on aura un tour supplémentaire.
À 10 secondes près, on fera un tour supplémentaire dans cette épreuve. En espérant que la pluie ne soit pas trop forte. Oh, hop, ça pousse derrière. Oh, ça pousse même fort là. Wow. Dans Paddock Hill, on s'est fait quasiment mettre à la renverse. Alors, dans Druids, est-ce qu'on peut revenir un petit peu aux affaires? Oui, changement de leader. Hein. Du coup, la numéro 78 qui a repris l'avantage. On plonge. Oh, ça glisse énormément. On va perdre la deuxième place. Là, c'est pas possible. On a perdu trop de motricité. Est-ce qu'il va nous repasser? Oui, il va repasser à l'intérieur. C'est logique. C'est fun en tout cas, c'est très très fun cette bataille. Et oh, dans des conditions pareilles, on se fait rappeler à l'ordre par nos adversaires. Et bah, il faut croiser les mains et se cracher dans les mains pour réussir à la garder en piste. Donc franchement, je vous invite à aller tester cette voiture parce que ça vaut vraiment le détour. Alors que là, il tombe des cordes sur Brands Hatch. Ça promet, hein. Ça promet véritablement pour la suite. Avec cette Mini qui fait vraiment le café. Ouh là, je vais la perdre. Mais c'est pas vrai, dans le dernier tour. J'ai réussi à les taper dans le dernier tour. Tellement il pleuvait. Ah bah bravo, ah bah, on oublie le podium. Oh là 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 là. Ouais, là les essuie-glaces qui sont en train de s'énerver. Eh bien j'aurai fort à faire pour expliquer ça à mon mécano qui m'a vu passer au dernier tour. Quasiment en tête et qui me voit passer maintenant aux alentours de la 8ème place. On va insister, on pousse nos petits camarades. Et on a pris... T'as l'air de track limits, ça sera sur le permis, mais la pluie là qui tombe m'a totalement surpris à la bord de Dingledale. Donc bah écoutez, voilà, hein, on a été chiffonné un petit peu cette Mini. On nous en tiendra pas rigueur, je pense. Mais voilà, très très fun, vraiment très sympa. Et en vrai, je vous conseille cette voiture. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur R-Factor 2. Il y en aura d'autres, bien sûr, dans les jours à venir. En attendant, je vous souhaite bonne route les amis et bon amusement, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine, ciao. Bon, ben on va aller expliquer ça au carrossier maintenant.